Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La vérité n'a malheureusement plus aucune importance. Les faits dans le monde entier sont aujourd'hui systématiquement manipulés, foulés aux pieds au nom des idéologies les plus radicales. Qui a bombardé un hôpital à Gaza alors que les services de renseignement se contredisent, que les pays se rejettent mutuellement la faute? On note le silence de la France et la discrétion de son président, comme s'il y avait des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, en tout cas pas pour l'instant. Alors, que nous est-il permis d'espérer? C'est ce qu'a demandé ce matin Monseigneur Olivier Le Borne, qui présentait et qui présidait les funérailles de Dominique Bernard à Arras. Le pire, à coup sûr, la mort de la raison sans doute, mais malheureusement pas la vérité. N'oublions pas les derniers mots de ce professeur Courage qui évoquait quelques instants avant son meurtre les difficultés d'enseigner avec l'un de ses collègues. « Nous courons à la catastrophe », disait-il dans un élan prémonitoire. Elle a, me semble-t-il, déjà commencé. On va en débattre ce soir dans Punchline.